Coucou à tous, lundi 30 août, je vous avais dit qu'on irait au Sable d'Olonne faire un saut. Donc en fait, on passe une nuit, puis on revient demain voir ses parents. Je crois qu'il y a sa sœur également. Enfin, c'est pas je crois, c'est il y a sa sœur également. Là, il doit être midi. On est quasiment arrivé. On vient de se faire... En tout, nous, on a 3h30 de route. Il fait plutôt beau, là, il met l'essence. Après, on va au resto, mais alors le challenge du jour, ça va être de trouver une chambre d'hôtel. Parce qu'on va toujours à l'Ibis Confort. Et là, l'hôtel est complet. Et j'ai commencé à en appeler d'autres. C'est complet partout. Donc, bon, on va trouver, ça va. C'est pour une nuit, c'est l'aventure. Bon, on est arrivé. On est dans le nouveau centre commercial des Sables d'Olonne qui est hallucinant. D'ailleurs, on va y aller cet après-midi parce qu'il y a ses fonds, enfin, il y a toutes les plus grandes enseignes. Et là, bah, je pense qu'on va retrouver tes parents à l'extérieur, évidemment. Midi et demi à peu près. Midi et demi, et on a rendez-vous à 13h au resto. Ouais. Ça... Oh, c'est joli. Ah oui, c'est la fameuse boutique Harry Potter et compagnie. Non, Geek en fait. Ouais, voilà. Bah, en plus, ça s'appelle Shop for Geek. 349€ le valet. Le bras d'Iron Man. 459. Il est immense, hein. Je me moquais d'Eric pour le truc geek et au final, j'ai craqué sur un article. Il fallait que je change le mien. C'est un sac. Il fait très beau, hein. On est vraiment venu le jour où il fallait. Non ? Ça change avec la varie énormément. Ouais, c'est sûr. Ça peut varier, ah, c'est ça. Tout ça. Regarde, le PH quelque chose, faille. Je crois que c'est ça, celui du bas plutôt. On a mis combien de temps ? 3h30, hein ? Ouais. 3h30. Chaise longue. Ouais, par contre, pas très confort. Hein ? Pas très confort. Ah bon ? Donc, c'est quoi le restaurant où on va ? Tu m'as dit ? L'Armandier. L'Armandier ? Quoi, non ? C'est Longuenis. Ah, donc le restaurant où on va, c'est Langani, c'est une nouveauté. Oh, belle entrée. Ce sera plus simple pour... Ah, il faut que je donne mon passe. C'est très beau. C'est une brasserie, rôtisserie. En fait, je suis à contre-jour. Le petit chaperon rouge, le cocktail sans alcool par contre. Alors on a le tartare de bœuf margarita. Je me dépêche, il n'y a pas grand monde et la musique est éteinte, c'était très bien. Et il y a des endroits, en fait, il y a plein de petits espaces différents dans ce restaurant. Je vous ai un petit peu montré, hein, mais très chouette. Le temps, c'est pas ça, hein, par contre. Oh, j'ai laissé Eric dans un endroit, en fait, avec plein de jeux, du surf et tout. Et là, je vais chez Sephora. Alors, où c'est ? Ah, il y a Nature et Découverte. C'est longtemps, j'adore cette enseigne. Mais d'abord, c'est fou. Oh là là, j'ai... laisse tomber, j'ai craqué chez Sephora. J'ai trouvé plein de trucs sympas. Et là, on est... Leclerc, il a vu des chaises de gaming. On dirait un traîneau, le machin. Mais non, mais après, moi, je descends l'écran et je l'accroche là. Moi, j'ai un écran, je le mets où je veux. C'est ridicule, là. Et ton bureau ? Je le mets au pied du bureau, c'est pas grave. Oh non, non, non. Allez-vous me voir. Donc, on a peut-être trouvé un autre, c'est Ibis Style. Je connais pas et on va y aller parce qu'il reste une chambre. Ça fait 130€ quand même. 138 avec les deux petits déj. Bon, déjà, ça a l'air joli. On va voir donc les chambres. Je me rends pas compte, je connais l'Ibis. Oui. Il y a les Ibis en général confort. Oui. D'accord. C'est pareil ou oui, bah, du standing sur la même gamme. Donc, d'accord, bon bah ok. Super. Parce que vous ne connaissez pas le terme style, pour oui, vous dire. Oui, il y en a plusieurs, donc oui, il faut trouver. Ouais. Parce que c'est quoi, c'est confort le... Alors, à côté là, on a l'Ibis budget. Non, c'est le budget, c'est le budget. Ouais, là, ça, c'est le style. Et dans le sens, ça s'appelle un Ibis comment ? L'Ibis tout court. J'ai demandé l'autorisation, évidemment, de filmer. Il est parti chercher le sac. Je vais la découvrir toute seule. Ça commence à piquer, on s'est levé tôt ce matin. Quelle heure je me suis levée ? 6h ? 5h. 5h30 même, Eric. Ouais, c'est très coloré. Ah, t'as fait vite. Hein. Ouh ! Tu vois ? La chambre est moins colorée que je n'avais imaginé. Quoi qu'on n'a pas tout vu ! C'est ça. C'est sympa, hein ? Mon transat à la plage.
Ambiance. Oh, c'est chouette. Oh putain, t'as failli me coincer le doigt. C'est parce que tu sais, je suis en train de me trimballer les bagages tout ça. Ah, c'est excellent. Bonjour, la douche. Je valide cette petite chambre. Qu'est-ce que c'est ça? Code Wi-Fi. Oh. Éclairage. Pardon, t'es tout nu. On va pas au lit tout de suite, il est 18h. Mais... Ah, je prends toujours une douche. Remarque, oui, on a eu chaud. Le pouf. Il faut juste mettre comme ça. Tu veux filmer quand je suis sous la douche? Bien sûr. On attend tous. Allez, on est reparti. Il est 18h pile. D'ailleurs, mon blog est sorti. On repart après la douchette. Et on va retrouver ses parents. Ce soir, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Il y a du vent au Sable d'Olonne. Ah, on respire, ça fait un bien fou. Mais il y a du vent, hein. Alors, changement de programme, on devait rester manger des pizzas et en fait on s'est dit il fait beau, on va manger petit resto près de l'eau, la comète, et surtout je vais voir l'océan. Ça aurait été dommage de pas venir, hein. Vous n'avez pas la mer derrière. Ah, allez, parce que là les jeunes ont 5 à la comète, autant vous dire que c'est... Petite galette complète. Avec la durée. C'est beau, hein. Le festival. Hein, bonsoir. Tout seul, mais le cône passera pas. Le plat. J'ai pris une galette, comme vous avez vu, mais il y avait des frites avec. J'ai déjà mangé des frites ce midi, je peux vous dire, j'ai le ventre qui va exploser. Et là, en fait, bon, déjà, je vais vous montrer parce que le remblai, en fait, toute la côte éclairée, c'est magnifique. Je sais pas si on voit bien, je ne sais pas. C'est un petit glacier, apparemment, avec des glaces artisanales qui sont très bonnes. J'étais raisonnable, j'ai pris framboise. Tu sens que c'est pas chimique. Très bonne adresse si vous êtes sur les Sables, parce que je sais qu'on est devant l'hôtel. Une bonne soirée. Hein. Il est pas tard, hein, 23h. Mais je suis crevée quand même là. On accuse le coup. Je vous montrerai, hein, je vous dis, le sac que j'ai trouvé. Mais pas ce soir, on le laisse dans la voiture. Hein. Non? Le sac que j'ai acheté là. Il est dans la chambre. Ah bon? Ah, tu l'as mis dans la chambre? J'ai cru que tu l'étais sur le sac. Ah, je le montrerai peut-être. Ah, je sais pas si je montre à la maison ou là. Ah, tu veux que je le mette demain? Non, j'ai dit. Tu le trouves comment? Le sac? Très et joli. C'est pas le cuir ou le... Non, mais c'est pas du cuir. Oui, mais même. C'est pas le simili-cuir qui craque, c'est les coutures. Ah oui. Et ça, une fois que t'as la couture qui se barre. Coucou, nous sommes les lendemains. On a un petit déj. Il y a du choix. Hein. Café long, il y en a? Oui, américain. T'as pris d'américain? J'ai cru que c'était un gros morceau de pain, c'est de la gâche vendéenne, elle est délicieuse. Elle est parfumée. J'aime bien moi, cet espace, alors il est différent de l'Ibis classique. Plus intime, je trouve. Hop, je vais essayer avant qu'on parte. Il sort de la douche. J'aurais bien fait un... Attends, je suis désolée parce que je vous tiens mal. J'aurais voulu faire une photo avec ce couloir. Vous voyez l'idée? Je suis sûre qu'il y a un truc sympa à faire. Mais toute seule, ça va être chaud. On est non loin de là où habitent les parents et on est au marché d'Aragon, je crois. Le deuxième marché au Sable. On cherche de quoi se restaurer, mais en fait quelque chose de très léger, on a tellement mangé. Et comme après on reprend la route, impressionnant. Ça me donne envie les petites olives. Hein. Alors, où est-ce qu'on va? Jambon, etc. Traiteur. Ok. Alors, il nous aurait fallu quelque chose. Pour le déjeuner? Exactement. Pour le déjeuner, mais un déjeuner très léger. Pour des gens qui doivent prendre la route après. Qui aime le concombre? Moi. Toi? Mais par contre, je suis intéressé par la semoule. Attends. Voilà. Et Eric, tu sais quoi, toi? La semoule avec du jambon blanc et du... Ah, le bol du jour. Ouais, le bol du jour. Voilà. Je vais voir l'adresse. Nous sommes sur la route. Ça fait... 2h30, presque 3h. Nous rentrons évidemment. Je pense que je vais clore maintenant ce petit vlog.
Et on va enchaîner demain parce que j'ai un rendez-vous notamment ongulaire. Je vais te prendre soin de maison, tout ça. Et j'espère que ce petit séjour rapide vous aura plu, vous aura donné des idées peut-être pour des bonnes adresses, resto, dodo. Enfin, bah, let's go. Bisous. Je vous dis à demain. Salut.